Bonjour à toutes et à tous, c'est l'Authentique. Bah si, c'est moi. Si? Tu m'imaginais pas comme ça, hein? Peut-être que tu me voyais un peu plus grand. Bon, alors pourquoi faire une vidéo maintenant? Tout simplement parce que ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Et puis, je voulais aussi te dire un petit peu ce que sera le devenir de la chaîne. Donc déjà, je vais reprendre les vidéos dans le courant du mois prochain. Et puis, tu as pu voir aussi, je pense que tu as pu t'apercevoir que j'ai changé de micro dans l'année dernière. J'ai maintenant un micro qui tient la route, hein, un micro qu'ont à peu près tous les youtubeurs, en tout cas ceux que je regarde. Donc un micro semi-pro, un truc qui va bien. Je voulais aussi te parler de la chaîne. En fait. Ah oui, avant ça. Ah oui, putain, il y a des connards qui me font chier parce qu'à ce qui paraît, je dis trop de gros mots. Donc, ça, c'est vrai et pas vrai. Quand je suis tout seul, j'arrive à peu près à me tenir. Je fais attention quand je fais une présentation de jeu. J'essaie de faire attention. Après, ça, c'est vrai que c'est surtout quand je joue en multi. Ouais, en multi et plus particulièrement avec le croco. Et ça, c'est parce qu'on est comme ça, c'est un peu notre manière d'être et de parler. Donc, en gros, c'est tout simplement pour dire que c'est pas de ma faute, hein. Ça, c'est le croco. Voilà, ça, c'est fait. Je tenais aussi, voilà, à apporter une précision sur pourquoi l'Authentique, pourquoi le nom de cette chaîne, et pourquoi cette chaîne. On va commencer par le début. Moi, j'étais pas destiné à faire des vidéos YouTube. Voilà, ça m'avait pas traversé l'esprit, ça fait longtemps que j'aurais pu le faire. Il s'est passé un événement, c'est que j'ai eu un souci à mon travail. Suite à un changement de directeur, bah, j'ai perdu mon poste, plus ou moins. Ouais, plus ou moins, on va pas rentrer dans les détails non plus. J'ai réussi quand même à regagner ce poste à force de persévérance. Et aussi parce que j'ai ouvert ma grande gueule. Non mais... Et donc j'avais beaucoup de temps, j'avais trop de temps. Et je me suis lancé dans les vidéos parce que le croco m'avait suggéré, m'avait dit « Ouais, avec le matos que t'as, franchement, tu pourrais faire des vidéos. Moi, c'est ce que je ferai à ta place. » Donc voilà. Et ce que je voulais dire à propos de cette chaîne, c'est qu'elle n'a pas du tout pour but de percer ou de se développer, de je ne sais rien, moi. Il y a beaucoup de gens qui veulent gagner de l'argent. Enfin, moi, j'ai un travail, j'ai ma vie, j'ai plein d'activités. D'ailleurs, ça a pas mal changé depuis l'année dernière, c'est pour ça que j'ai beaucoup moins de temps. Enfin, j'ai pas forcément plein d'activités, mais j'ai des activités qui prennent du temps, en tout cas. Et donc, je cherche pas à percer ou quoi que ce soit. Tout ce que je veux, là où je voudrais mettre un point d'honneur sur cette chaîne, c'est que l'Authentique, c'est pas par hasard. Il faut savoir que quand je joue, par exemple, en multi avec le croco, ça fait des années qu'on se connaît. Ça fait des années, on a forgé une amitié solide et sincère avec le temps. Les délires qu'on a, ils sont vrais. Il n'y a rien qui est écrit, il n'y a rien qui est joué ou qui est surjoué, ou on se dit pas tiens, on va faire tel ou tel truc pour une vidéo ou non. On joue, vraiment, on joue comme on est. Et puis après, bon, mais je fais un petit montage, c'est sûr, parce que des fois, on part dans des délires où on parle de choses perso, de voilà. Et c'est sur ça que je fais des montages. Les formats de mes vidéos sont pas forcément non plus adaptés. Parce que moi, ce que j'aimerais, si tu regardes cette chaîne, c'est que tu rentres dans mon délire. Et c'est pas le format là pour bien marcher. Ouais, il faut faire entre, je sais pas moi, 5, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes maximum. C'est comme ça que se font la plupart des vidéos. Mais moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse en un quart d'heure? C'est quand tu viens chez moi, tu fais une soirée. Tu viens pas pour un quart d'heure, tu viens pas pour 20 minutes. Tu passes une heure, deux heures, trois heures. Et c'est la même chose quand on fait des vidéos. Surtout avec le croco. Donc voilà, en fait, je cherche pas à me promouvoir. Voilà, c'est ça que je veux te dire. Je cherche pas à me promouvoir. C'est pas mon but premier du tout, vraiment pas. Par contre, après, c'est clair. Si t'aimes bien ce que je fais, si ça te fait marrer, si ça te fait passer voilà, un bon moment... Eh ben c'est à toi un petit peu de jouer le truc et de partager ouais, avec tes potes, de dire tiens j'ai vu cette chaîne, c'est un petit truc, c'est une petite chaîne, c'est sympa, vas-y regarde. Après si tu veux mettre des pouces ou si tu veux commenter,
Il n'y a pas de souci, tu vois, je ne suis pas overbooké, je pourrais te répondre. Mais c'est pas le dé. C'est voilà, moi ce que je vais. Je le ferai pas tout ça. C'est pas moi qui vais te dire vas-y, abonne-toi, lâche un commentaire, mets un pouce. C'est des trucs qui, moi, personnellement, me font chier quand je regarde les vidéos des autres. Je suis pas comme ça, donc forcément, eh ben, l'authentique, c'est pas pour rien que ça s'appelle l'authentique. C'est parce que le truc, il est sincère. Chaque chose que je fais je trouve pas les mots là. Un vécu, en fait, a une histoire. Si tu veux, les délires que j'ai avec le croco, ça fait des années que c'est comme ça. Et c'est comme ça partout, pas que dans le jeu. Quand j'appelle l'insécateur l'apprenti, le petit apprenti, c'est parce que il a été mon apprenti. Enfin, exactement, il était dans un service qui était très proche du mien, mais il a déjà travaillé avec moi. Donc il a été mon apprenti. Ouais, il était petit, il n'avait pas la voiture, je le ramenais chez lui, tout ça. D'ailleurs, j'ai été aussi l'apprenti du croco. Tu vois, chaque chose que je fais, y a un sens, quoi. Je cherche pas à faire du buzz, je cherche pas à rentrer dans le YouTube game. Voilà, il y a déjà assez de choses fausses dans ce monde. Tu peux le voir tous les jours à la télé, dans les pubs, tous les magazines, tout est faux, tout est retouché, il y a pas mal de mythos. Je sais pas, moi, si t'as... Si t'es au collège, par exemple, j'en sais rien, c'est quoi, c'est 13-14 ans. Tu vas voir, tu vas te faire des potes, et puis au fur et à mesure, tu verras que les potes, quand t'en as besoin, ils sont pas toujours là. Il y en a même qui vont te faire des sales coups dans le dos. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que quand tu viens sur ma chaîne... Bon, après, heureusement, t'as aussi le cas contraire. Hein. Tu vas rencontrer des gens bien, tu vois, formidables, qui vont te faire... qui vont t'apprendre plein de choses dans la vie, avec qui tu pourras avoir des relations solides et tout. Enfin, en tout cas, moi, je l'espère, hein, parce que miskin, sinon, c'est que tu vas avoir une vie de merde. Mais voilà, ce que je veux te dire, c'est que l'authentique, chaque chose que je fais n'est pas écrit, sauf pour les présentations de jeu, où là, j'essaie un petit peu de donner des informations, donc je vais me renseigner, je note des trucs, voilà. Sinon, c'est vraiment... Mon but, c'est que tu rentres dans mon trip, voilà, que tu, je sais pas moi, si t'as fait une journée de cours, et ben voilà, tu veux rigoler, tu veux sentir un truc sincère, voilà, c'est ça en fait, le mot c'est sincère. Le truc, il est sincère, peu importe, peut-être mes vidéos sont nulles, peut-être elles méritent pas de faire des vues ou quoi, mais si tu aimes bien, moi personnellement, des fois je regarde des vidéos et je me dis, ça a l'air un peu trop, tu vois, ça a l'air écrit, ça a l'air un peu scripté, et ça me gêne. Non, je suis pas le seul, tu vois. Je suis pas unique. Je veux bien que je sois un petit peu chelou, mais je suis pas unique. Donc je me dis qu'il y a des gens peut-être qui mettent un petit point d'honneur à avoir de l'authenticité dans le truc, quoi, qui veulent regarder quelque chose de vrai. Donc voilà, moi c'est ce que je propose en tout cas. D'ailleurs, l'avatar du chat, c'est pas pour rien. Bon, premièrement, c'est parce que les chats, ça cartonne toujours, hein, sur YouTube. Tu mets la vidéo d'un chat qui pète, tu fais 1 million de vues, donc c'est ça... Et je peux le faire, ça. Non, je déconne. Et deuxièmement, c'est parce que je suis parrain d'une petite pépette qui adore les chats et qui, je pense, n'en aura jamais. Donc, je me dis, si jamais elle tombe sur mes vidéos, y a des chances. Hein, et peut-être elle va aimer le chat et tout. Tu vois, je pensais un peu à ça. Et puis, elle pourra se dire que plus tard, son parrain, il est complètement pété. Hein, voilà. Donc, chaque chose que je fais a une relation avec quelque chose de vrai, en fait. Voilà. J'en profite d'avoir cet avatar que je vais utiliser pour mes prochaines vidéos. De toute façon, je l'aime bien, donc je le garde, lui. Donc j'en profite pour faire un petit big up à mes amis, mes proches. Là, il va y avoir que les vrais qui vont comprendre. Donc... Voilà. Et puis pour les autres, on se retrouve très vite. Hein. Il y en a pour un peu moins d'un mois. Et puis après, voilà, je balance ça, hein, les vidéos... comme d'habitude, une vidéo par semaine, jusqu'à ce que j'en ai marre ou que j'ai plus rien à proposer, tout simplement. Ou que ça me plaise plus, voilà. Donc, je vous laisse ici. On va essayer de faire une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Je vous dis, je vous laisse ici, on se retrouve bientôt, et je vous dis à la prochaine.